Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour, 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 bonjour! Et bienvenue sur Nuance Reborn, dans une autre vidéo de type analyse. Quoi? Aujourd'hui, nous nous posons une question, et la question est de savoir, mais pourquoi les gens ont-ils des choses dans les dents ou sur les dents? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des dents diamants ou des dents noires? Nous en saurons plus sur le sujet là maintenant. Si vous avez des informations sur le sujet, vous pouvez également réagir dans la partie commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Dieu lui-même, il approuve ce genre de style? Nous essaierons de comprendre cela dans cette vidéo. Ok, c'est parti. Nang's Reborn. Mes frères et sœurs, merci encore une fois de nous avoir soutenus depuis le début jusqu'à ici. Aujourd'hui, nous venons de dépasser les 24 000 abonnés et ça applaudit. Appréciez mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Merci mes frères et sœurs. C'est grâce à Dieu et c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Franchement, merci. Si nous dépassons les 24 000 pour atteindre les 25 000 d'ici la fin de l'année, franchement, je serai très content. Et franchement, merci les gars, merci les frères et sœurs. Et nous vous rappelons en même temps que le 24 prochain, le 24 décembre, il y aura un live spécial. Restez connectés. Rentrons maintenant dans le but du sujet. C'est parti. Bien, nous parlons de dents en or. Déjà, qu'est-ce qu'une dent? Et à quoi c'est censé servir? Ouvre ta bouche et regarde ta bouche là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Ce sont tes dents. Et tes dents te servent principalement à faire quoi? À mâcher des aliments. C'est-à-dire que ça t'aide à bien te nourrir. À bien consommer, mâcher les aliments. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, aujourd'hui, on voit des personnes qui mettent des extensions de toute la façon, les images seront là, vous allez voir. Pourquoi les gens ont-ils décidé de mettre des extensions, des choses, des diamants ou de l'or sur les dents? Pourquoi? Bon, c'est pas si remplacer les dents ou bien c'est un truc qu'on colle sur la dent, c'est possible. Mais à quoi ça sert de coller un truc comme ça sur sa dent? Déjà, l'or et les diamants, les bijoux, toutes ces histoires, nous avons découvert ici une escobone au travers des témoins puissants que Dieu vraiment n'est pas d'accord avec cette manière de s'habiller. La manière dont les gens portent des poudres d'oreilles, toutes ces choses, on en a parlé. Les poudres d'oreilles, tout ça ne sont pas autorisés pour les chrétiens. En tout cas, ceux qui veulent au ciel, qui veulent vraiment marcher sur la voie de Dieu, ils seront obligés d'abandonner cette voie-là. Donc, ça concerne sans doute les aussi les diamants ou encore les ors qu'on met dans les dents ou sur les dents. Est-ce que tu as une dent qui a enlevé pour que tu remplaces cette dent par de l'or? Si tu as une dent qui a enlevé et que tu remplaces cette dent par de l'or ou quelque chose de plus solide, moi franchement je pense qu'il n'y a pas de problème parce que tu étais de corriger quelque chose. Tu peux même utiliser une autre matière parce que quand on parle de l'or, bon. Sinon, quand on regarde ça, bon, regardez les images qui vont venir. Regardez, je suis chaud, je veux montrer ça. Regardez ça, comme image, c'est parti. Ouh, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme. Et cet homme veut nous montrer ce qu'il a de plus précieux. Et ce qu'il a de plus précieux en ce moment. C'est tout ce qu'il a tenté de nous révéler là en direct. Et ces dents ne sont pas des dents. Bon, je ne sais pas s'il a remplacé tous ces dents ou bien ceux qui ont collé, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a remplacé ces dents blanches comme nous. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dents en or. Des dents en or. Est-ce que Dieu est vraiment d'accord avec cette histoire? Moi, ce que je sais, c'est que Dieu nous a créés avec des dents blanches. Toutes blanches.
Si c'est des nuits jaunes, c'est pas grave. Ce que je sais, c'est que tu dois garder tes dents naturelles sans ajouter quelque chose là-dessus. Mais bien sûr que oui! Tu dois rien ajouter. Tu dois rester avec tes dents naturelles. Parce que toutes ces histoires qu'on ajoute sur les dents, toutes ces histoires, c'est un mot de vie qui vient, c'est un style qui vient du... On a appris que ça vient du roi de la côte. En fait, il y a des démons qui sont dans le monde des ténèbres là-bas qui créent de nouveaux styles afin que les humains puissent tout simplement les copier. Vous voyez? Et plus loin, on voit quoi? On voit un homme qui s'affiche. Il nous montre carrément ses dents. On dirait que ses dents ici sont en argent. Des dents en argent. Et lui, il s'en fout, hein. Il nous montre carrément ses dents. Que veux-tu? Wow! Il a envie de nous dire même qu'il est joli. Et quand je regarde, je me dis, mais quelle est cette manière de se comporter ou c'est-à-dire de se montrer, de s'afficher avec des dents ouvertes comme ça? Ah! Tu veux montrer à tout le monde que tu as des dents en or. Cette manière de faire là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout ce que Dieu aimerait, ou encore, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous, pour être clair. Dieu n'attend pas un truc pareil de nous. Ah, regardez. Ouh, là, on voit des dents avec même des crocs, mes frères et sœurs. Des dents avec des crocs. Là, c'est clair, vous ne direz pas que vous n'avez rien vu. Et ces crocs qui sont là sont censés représenter des canis, c'est-à-dire en fait des canis. Des canis, ce sont des choses, des vampires. Ce sont des vampires qui ont de telles choses. Et des vampires, ce sont des démons. Et là, on comprend tout de suite ce qui se passe au travers de toutes ces histoires. Du temps en or, du temps en diamant, toutes ces histoires qu'on se met dans la bouche. Franchement, je commence à comprendre un peu ce de quoi il s'agit ici. Regardez encore. Cette femme s'est non seulement mise du rouge à lèvres, mais aussi, elle a des dents en or. Il me semble que ces dents qui sont là sont des extensions. Il me semble qu'on ajoute carrément à leurs dents naturelles. Mais après, on peut l'enlever. Même si ce sont des extensions, toi, tu ne dois pas les utiliser. Tu ne dois même pas te rapprocher de ça. Parce qu'il y a des choses qui proviennent de faux dieux, de ce qu'on appelle les faux dieux. Et toi, tu dois vraiment... fais attention, sinon ne même pas aimer ce qui se trouve dans le monde, ne même pas chercher à t'attacher au monde, ni copier tout ce qui se fait ici sur notre planète, sinon tu risques d'adorer le diable par ton comportement, par ta manière de t'habiller. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler ici. Ton style là, ça risque d'être celui-là même, ce style là même qui te met en contact direct avec le diable. Ça peut vous étonner, mais regardez, si c'est de la blague, regardez vous-même. Ici, ces dents sont carrément en or et personne ne peut parler parce qu'il est beau et il nous montre carrément ses dents. Ah! Tes dents là, est-ce que c'est fait pour... Bon, si tu manges bien, il faut nous dire que tu manges bien. Mais il ne faut pas nous dire que tu as des dents en or ou que tu es en train de ficher comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière s'habille? Imagine, toi tu es bien habillé et tu te balades comme ça avec des dents en l'air. Regardez-moi mes dents. What? Mes frères et sœurs, nous devons vraiment tout faire pour ne pas copier ce qui se passe dans ce monde. Parce que parfois, quand on regarde ce que les humains font, on a l'impression que c'est de la folie. Ou bien, oui, tu vois, la fille, là, un homme, il va acheter un pantalon et il va déchirer le pantalon là. Il va déchirer le pantalon là en 1000 morceaux. Quand je vais lui demander, mais qu'est-ce que c'est? Il va te dire, oh mon frère, tu n'es pas à la mode. C'est mon nouveau style. Voilà. Voici ce qui se passe. Regardez encore. Et... ah! Franchement, j'ai du mal à croire. Il a fait sortir même sa langue. Est-ce que c'est vilain? C'est à vous de voir. Waouh! Est-ce que ses dents sont carrément implantées dans ses propres dents? Vraiment... j'aurais du mal à faire ça. J'aurais vraiment du mal à le faire.
Dites-moi, mes frères et sœurs, comment les gens arrivent-ils à placer de telles dents sur les dents des gens? J'aimerais vraiment bien savoir. Moi, quand je vois ça, ça m'étonne. C'est pourquoi même je fais cette vidéo. Pour vous demander aussi de m'aider à comprendre ce qui ne va pas ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi les gens montrent les dents par-ci et par-là et les dents brillent comme ça? Si tu avais tes dents blanches, tu es sauvé. Aujourd'hui, tu peux avoir des dents en or. Tu es content. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec cette manière de s'habiller? Ça m'étonnerait. Tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Tu choisis d'avoir une bonne vie ou pas. Et quand on parle des dents blanches, on parle aussi des dents colorées. Et ce qui se passe ici nous aide clairement à comprendre tout sur le sujet. Et cet homme, il a des dents vraiment colorées, coloriées. Est-ce que ce sont des extensions? Je ne sais même pas. Comment arrive-t-il à manger? À mâcher les aliments? Comment arrive-t-il à mâcher les aliments? J'aimerais bien le rencontrer pour qu'il m'en parle, pour qu'il m'explique comment il arrive à le faire. Parce qu'avec des dents colorées, peut-être que les aliments seront colorés. Sinon, bon, qu'il m'explique. J'aimerais bien savoir. C'est pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui! J'aimerais bien savoir. Et plus loin, on voit maintenant la catastrophe. Elle nous montre carrément ses dents avec une certaine arrogance. Du genre, regarde mes dents. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? Regarde-moi. Je suis une vraie femme. Je suis une due femme. Oui, je suis une vraie go. Que veux-tu? J'ai des dents. Non, un diamant. Et toi? Tu as des dents blanches. Franchement, ça m'étonne. Ça m'étonne. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour que vous m'expliquiez, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement avec les frères et sœurs? Franchement, que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses. Si vous êtes de tels maux de vie et que vous voulez vraiment plaire à Dieu, s'il vous plaît, sortez du monde. N'aimez pas le monde ni les choses de ce monde-là, car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est un choix. Tu peux choisir d'aimer Dieu ou choisir de le détester. Et c'est par ton comportement que tout va se passer. Par ton comportement, tu peux choisir d'adorer le diable ou d'adorer Dieu. Si tu as des choses sur toi, il faut t'en débarrasser. Il faut te libérer. Sors de là. Sors de tout ça et répands-toi. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu t'es dans l'ignorance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! That's goodbye.